One, two, three. Message 1. Bonjour. T'es grand-maman? Non, mais tu m'as reconnu. Pas la peine de raconter tout ça. Eh! Bon, mais tu peux pas me répondre, évidemment. Mais moi, je fais comme si tu me répondais. Adieu. Ma chère grand-maman, ça fait 15 ans que tu es partie. Faut être folle. Mais le son de ta voix résonne encore en moi. La vie est une bataille où on n'a pas le droit à des états d'âme. Aujourd'hui, je veux t'offrir un petit voyage dans notre passé et te dire les choses qu'il n'était pas possible de se dire. Je veux te parler d'amour. Et des choses qui concernent notre sexe. Des baisers ni des tendresses, des mots d'amour. J'ai pas eu de chance en amour, j'ai toujours tombé sur des types qui m'exploitent. Or j'aime mieux dire que ça te guérit des autres, ça. Il n'était pas question qu'une femme fasse des études ou fasse des avances, ça m'a manqué, alors j'ai fait tout ce que j'ai pu. Parce que pour une femme d'affaires, tu sais, à cette époque, on ne les voulait pas. Hein. J'étais la pestiférée de la famille. J'ai tellement peur de te rendre malheureuse. Je ne veux pas te salir avec des mots imprononçables. Où sont les femmes avec leur geste plein de charme. Alors je devrais te mentir pour te laisser en paix jusqu'à ta mort. Je pense que si tous les gays, les lesbiennes, les filles de Suisse faisaient la coming out en même temps, je suis persuadé que l'homophobie disparaîtrait dans les 48 heures. Parce que nous sommes simplement trop nombreux. Arrête de filmer. Oh, la sorcière de la maison.